pas le truc déroulé absolument extraordinaire, ce n'est rien. Mais ce qui est en commun avec la dorsale, c'est ce tout, qui est un vrai tout existant, et qui dure, pour une résonance longue. Parce que la boîte de ce arbre, c'est vraiment un gros machin, et le tube à l'extérieur, il est après. Donc on a vraiment une grosse caisse de résonance pour le tout, comme dans le tableau capacitaire. Et je pense que c'est un rapport avec ça. C'est-à-dire que l'instrument qui permet de faire boum, tar, il installe quelque chose. C'est pour ça que je vous parlais des postérieurs d'un éléphant. Parce qu'on a une longueur, on a une espèce de rythme comme ça qui avance avec majesté, avec tranquillité. C'est pas quelque chose de serré, de speed et de comprimé. C'est un cheval. Bon. C'est un cheval. Voilà, c'est un cheval ou voilà, un peu stressé quand il marche sur les cahiers. Je vais vous montrer un rythme. Puis après, je vous parlerai des macarons. Je vais vous montrer un rythme que les Libanais appellent Georgina. Et vous avez certainement entendu parce qu'il ressemble, même si c'est du titan, le rythme marocain là, pour l'Algérie, comme on veut, c'est du titan. Et il y en a un qui ressemble, alors qu'il est du titan, qui ressemble dans la pulsation. Dans la pulsation, pas dans la vie. Il fait du. Ça s'appelle Aor Sas Semaï. C'est sûr que ça veut dire. Pour jouer à Semaï, de façon lourde. Et je vous montre, ça fait 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand ça va vite, c'est simplement devenu plus vite. Ça, vous avez certainement entendu dans les chansons du balai, énormément de souvenirs. Avec souvent déroulé. Ce qui veut dire qu'un même rythme, sa structure, comme un accordéon, elle peut se rétrécir ou elle jouer vite, parce que tout ça c'est très serré, ou alors elle peut, plutôt dans la musique classique, s'étirer, être beaucoup plus espacé, plus lentement. Là, vous avez vraiment quelque chose de plus éléphantesque. Donc voilà, bon, c'était un petit aperçu sur les rythmes. Tout ça pour vous dire que quand vous écoutez des musiques, par exemple, si vous avez envie de les chanter en étant en rythme, essayez de repérer les doubles et les têtes, comment ça fonctionne, comment ça se répète. Et si vous repérez ça, vous allez pouvoir chanter sans vous décaler. Et même des fois, s'il y a des coups de mélodie, c'est souvent, il va vite là, l'enfant là, il annonce des mots, il a abandonné son public. Essayez d'entendre le double tête qui est derrière, le système de cycle rythmique, et vous allez piger à quel moment il accélère, à quel moment il abandonne. Parce que c'est sûr ça. Alors maintenant, je vais vous parler tout à fait d'autre chose, c'est pas des rythmes, parce que le système musical. Franchement, dans le monde entier, sauf l'Europe, depuis Jean-Sébastien Bach en Renaissance, l'Europe a laissé tomber le système musical du monde entier. Dans le monde entier, toutes les cultures, toutes les civilisations, ils utilisent des systèmes qui marchent avec des modes de musique, c'est-à-dire des échelles de notes. Alors hier, on avait une grande échelle ici, il y a plein d'échelles. Alors vous imaginez une échelle posée contre le mur. Ça fait un peu beaucoup. Ah oui, tiens, les rayures. Celui qui en a pas, celui qui arrive, voilà. Ça fait, on va dire que c'est le baron des chèvres. Vous savez ce que c'est qu'une octave? Si ça c'est un do, c'est un do aussi. Si jamais je peux comprendre. Si c'est un mi, ben c'est un mi aussi. Ou alors. Vous savez, c'est le même écart. Ouais, parce que c'est dans le système européen. Alors, depuis la Renaissance, depuis Jean-Sébastien Bach, on a divisé cet espace en 12. Ça, c'est en Europe. Dans les autres pays, il y a beaucoup plus de possibilités que ça, il n'y a pas que 12 autres. Donc il y a 12 demi-tons. Ça fait que sur une guitare, vous aurez 12 cases de guitare, 12 demi-tons.
allez en Iran, dans la... c'est pas le bidon, c'est pas un drôle. Hein? C'est pas la hauteur, la hauteur, la hauteur. Je vais faire la. Ta la la, pour les oreilles. On va faire avec la. Ça marche pas, c'est pas. Pardon, les oreilles. Conditionné. Ouais. Ouais, c'est une question d'auteur de note. Donc ça fait la la. Si je vais en Iran, très très bon. Je pisse un peu plus haut en musique classique. Plus faible que le do ré mi du piano. Et si vous êtes en musique populaire iranienne sur les salles, parce que moi j'ai une forme en voix, ça sera plus bas qu'en musique classique. Mais plus haut que les iraniens. Et ces notes-là, bon, c'est des notes, surtout pour les iraniens, mais c'est pas la question qu'on pose, c'est des notes augmentées, diminuées avec le verre du temps, avec des. Alors, c'est vos aspects. Ouais, surtout iranien. C'est pareil, c'est parti. Je t'explique le tout et tu vas voir l'Iranien qui prend sa place dans, dans cet ensemble. En 1932, il y a eu le congrès de musique au Caire. Et les Arabes, dans le grand élan de la Mehdia, qui se voulait être la fabrication d'une renaissance arabe, comme il y avait eu une renaissance en Europe, sauf que celle-là était artificielle, elle était décidée par les intellectuels. Elle n'était pas un truc de vie un peu plus étalé sur le temps, donc il y a des trucs qui se produisent dans la société. Ça, c'était assez. C'était militant pour déterminer la culture arabe. Tout ça parce qu'ils ne voulaient plus la culture ottomane. Donc ils ont décidé que les Arabes feraient les quarts de tour. C'est-à-dire qu'ils ont pris les demi-tons du piano, ils ont coupé en deux. C'est-à-dire que sur une octave, ça, là qu'ils l'avaient coupé en deux, ben, eux ils ont dit, maintenant on va recouper en deux une deuxième fois, ça fait 24. Donc il y a 24 quarts de tour, et c'est ce que jouent les Égyptiens. Et c'est ce que, à partir du congrès du Caire, à partir des années 30, c'est ce qui a été enseigné. Dans tous les conservatoires de tous les pays arabes. C'est-à-dire que ici c'est un conservatoire, donc c'est un grand quart de tour. Dans la rue, vous avez un orchestre populaire, vous ne pouvez pas les quarts de tour. Parce qu'il a jamais joué dans le fond de sa vie, il fait des quarts de tour. Donc c'est pas un peu comme c'est la musique des militants politiques de la nationale qui ont voulu faire, c'est ça le quart de tour. Une musique qui a été créée par les militants de la. Voilà, c'est-à-dire que les intervalles anciens, quelle musique faisaient les arabes? Ben, il faisait en Égypte ce qui s'appelle aujourd'hui la musique ottomane. Qu'est-ce que c'était que la musique ottomane? C'était pas du tout la musique des murs, c'était la musique des lettrés, des villes, de tout l'ancien empire ottoman, qu'on portait en France, ou les Bénins, mais pas plus. Donc, c'est un peu comme. Pour vous donner vraiment l'équivalent, en Europe, Vivaldi, c'est pas la musique italienne, la musique classique européenne. Beethoven, c'est la musique allemande, c'est une musique classique européenne, de notre époque. Donc, bien sûr, il était allemand, on peut dire qu'il a une certaine école, une certaine volonté de faire des machins un peu doux, etc. Mais c'est absolument pas une spécificité nationale. Bon, non plus, c'est les pays qui se sont fabriqués bien après ces musiques-là. On ne peut pas dire que ces musiques-là étaient de ces pays-là, ils n'existent même pas. Et la même chose dans les pays arabes. Donc, par exemple, quand vous prenez ce que les Arabes appellent un bassoir, c'est-à-dire une composition instrumentale, en général en 8 ans, où on est composé de 5 minutes. Ça peut être 8, 12, 24, 35. Qui est d'ailleurs une prononciation arabe d'un mot persan. Le mot persan, c'est kishev. Kishev, ça veut dire ce qui vient avant. C'est-à-dire en français, c'est un prélude. C'est un morceau instrumental qui vient avant une grande composition qui a été chantée, etc. Un peu comme si on fait un prélude avant l'opéra. Dans la musique orientale, il y a des choses comme ça. Donc un pichet qui est devenu bacha dans la prononciation générale, ça se fait donc il est composé de 4 tons, 8 tons, 16, etc. Et au niveau des modes, ça va se faire avec les modes de l'ancienne musique ottomane, sauf que les noms ont été changés. Et pour vous donner l'exemple, comme je disais dans une autre table, avec Jean-Sébastien Bach, vous avez 12 demi-tons. Les Arabes ont voulu faire un décès coupé, ça fait 24, sauf qu'en réalité, ils ont fait ça à partir d'une autre culture que la culture. Et à l'heure actuelle, il y a que les Turcs qui ont gardé les. Plusieurs sortes d'intervalles possibles entre ces notes. Il n'y a pas qu'un seul genre d'intervalle. Il n'y a pas que des quarts de ton. D'ailleurs, il n'y avait pas de quarts de ton, il y avait d'autres genres d'intervalles. Et il y avait 6 ou 7 genres d'intervalles possibles. Pas un seul intervalle possible, le quart de ton ou le demi-ton chez Jean-Sébastien Bach. Donc, je ne l'ai pas pris là parce que, comme j'ai fait la balance dans un. Je vais jouer ce soir au Centre culturel de l'Agdal. J'ai un grand instrument
qui a toutes les frettes. Donc vous avez des frettes, elles ont ça d'intervalle. Et d'autres qui sont... Et d'autres qui sont plus écartées, mais j'ai plusieurs sortes d'intervalles possibles. Et donc si vous voulez, je joue par exemple avec un ensemble marocain qui s'appelle l'ensemble du Marabi, Fekrat Ibn Marabi, c'est de la musique soufite de Tanger. Et le joueur de canon, il a un vieux canon qui date de 1896, donc il y a plus de 100 ans. Ouais, voilà. Donc la fin du 18e siècle, 1896. Il y a l'étiquette à l'intérieur et tout, c'est une pièce de musée. Et bien lui, il n'a plus que 4 petits clapets là, parce que c'est les quarts de ton. Et quand vous enlevez la poussière et vous regardez, vous voyez qu'il y a des trous des anciens clapets qui ont été enlevés pour faire un quart de ton et enlever des autres intervalles. Mais comme ce canon est fabriqué bien avant 1932, il a des anciens intervalles, ce qui prouve, et quand il a été fabriqué au Caire, que les musiciens utilisaient ces anciens intervalles. Ce canon, c'est une preuve matérielle, même si historiquement, on le sait, parce que ça date de 1932 pour le Caire. Donc, tous ces intervalles, par exemple, comme je disais, fait ta-da-da, ça c'est le piano. Ta-da, ça c'est la musique classique. Quart de ton, je m'excuse, je ne l'ai pas appris, je ne saurais pas le faire. Ta-da, ta-da, ça c'est quoi ? Iranien, c'est encore plus simple. Mais c'est pas un ton aigu, c'est pas ta-da-da, c'est pas ça, c'est un son plus. Donc, la façon de les considérer, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur les rythmes, comment on considère, où est-ce qu'on considère les rythmes ? Là, pour les intervalles, la façon de considérer, c'est pas Bach avec un peu plus ou un peu moins. C'est Bach, il n'a rien à foutre en musique, c'est autre chose. Ni en Turquie, ni en Turquie. Alors, la façon de considérer, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous en avez parlé hier, c'est les harmoniques. Ici, ça résonne un peu, mais pas beaucoup. Si vous allez dans une vieille mosquée ou une vieille église, c'est-à-dire des bâtiments anciens, ou si vous faites oh, comme ça, vous avez des notes qui viennent au fur et à mesure. Oh, comme ça, vous avez des notes qui résonnent, des harmoniques qui arrivent comme ça. Ça, c'est la vibration naturelle du son dans l'air qui se répercute sur les murs comme ça. Alors, ça se fait ça marche bien dans des endroits en pierre parce que le son tape contre la pierre et va se répercuter plusieurs fois. Et comme il se répercute, il sort ses harmoniques au fur et à mesure. Et ça fait même tout à fait naturel, il y a des partout dans le monde. Et ces autres notes-là qui arrivent, vous entendez ces espèces de... C'était comme un accord, un peu. Et bien, c'est ça les notes harmoniques. C'est-à-dire, vous avez... Quand on dit l'octave, vous connaissez le La 440, ça veut dire, si je fais un La 440, ça veut dire que l'air vibre 440 fois par seconde. On appelle ça 440 Hz. L'octave, ça va être bien fait, des bonnes proportions architecturales. Plus les harmoniques vont être riches, il y en a plein qui vont sortir assez fort. Ces harmoniques, c'est les 2 tiers, les 4 cinquièmes, les 3 quarts de la note de départ. C'est des fractions justes et l'air vibre comme ça. C'est des trucs tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué des églises, des mosquées, etc., qui résonnent. En général, en architecture, ils utilisent le nombre d'or, je ne sais pas si vous en avez parlé comme ça. C'est une proportion entre la largeur et la longueur. Combien c'est 1,600 c'est le même ordre. Un mois qui est carré. C'est ça, normalement. Donc, c'est une proportion. Les gens qui sont très beaux sont des gens dont le visage respecte les proportions, sont très proches des proportions du nombre d'or. Quand vous avez un escargot, la courbe d'un escargot, la diminution progressive de tout ça, ça suit le nombre d'or. Toutes les choses naturelles qui sont belles, les trucs tordus, mais les trucs qui sont vraiment harmonieux, les harmonies comme ça immédiates, sont des choses qui sont très proches ou qui sont carrément sur le nombre d'or. C'est pour ça que les architectes dans les bâtiments anciens faisaient respecter ça dans l'architecture. Les pyramides, c'est le nombre d'or, etc. Tout ça. Et ça fait très beau, ça fait que ça résonne. Et ça résonne juste, parce que quand vous avez des endroits bizarres où ça résonne, parce qu'ils sont grands donc ils résonnent, mais vous allez avoir des harmoniques bizarres, des trucs étranges, ça c'est pas juste. Ça sonne un peu bizarre. Et donc quand vous avez un endroit qui sonne juste, vous allez avoir ces harmoniques qui vont sortir. Et c'est ce qu'on peut aussi faire sur une corde de guitare, je ne sais pas si il y en a qui ont touché des guitares. Vous avez des endroits où quand vous jouez la corde et vous effleurez, vous appuyez pas sur l'appareil, certains endroits de la corde, vous allez sortir un autre son. C'est les harmoniques. Parce que la corde, elle se met à vibrer comme ça. J'insiste clairement là-dessus. C'est sur cette troisième note que j'insiste.
êtes sur le temps de ce macabre. Après, je vais ouvrir les yeux. Thank you.
regardera sur la base. C'est des défenses qui servent.